Cette toine était notre plus petite de tous. Serpi était déjà membre de l'UE, la Croatie pas encore. La toine était destinée uniquement pour le trafic local, comme les agriculteurs et les résidents. Le douanier s'ennuyait dans son bureau et il a fait une exception pour nous. Sinon, nous aurions à conduire un détour d'environ 50 km. Mais ce fut une paperasserie très complexe. Le douanier croate était très surpris à propos de nos papiers, mais il a dû nous laisser entrer dans l'UE. Bonne pioche. En fait, nous voyageons de la partie orientale de l'Europe dans la partie occidente. Contrairement à nos églises, les mosques sont des centres où on se sent confortable et où on bavarde également. Ici, les chaussures sont encore importantes et on porte encore beaucoup de cuir. Nous sommes de retour dans l'Occident. La vitesse sur des bonnes routes est demandée. Comme un bon macho, on est toujours le plus vite et on ne laisse pas passer les jeunes pilotes. Pensons à nos expériences avec les animaux, nous constatons qu'il y avait eu beaucoup d'animaux sur et juste à côté de la route. Après la pariade réussie, il y a du travail moins drôle à faire. Et nous sommes rentrés dans les Alpes. Les Ptolémites sont énormément beaux ici. Autrement, on arrive qu'à pied à ces hauteurs dans les montagnes. Ici, l'homme motorisé peut aussi profiter d'un tel point de vue impressionnant. Et puis, nous descendons à nouveau pour le prochain col.
On peut aimer ou délester le col du Stelvio, mais pour pratiquer la technique des virages, c'est définitivement le col qu'il faut. Puisqu'il est tellement raide, on a également une grande clairvoyance. Sur le col, il y a comme d'habitude une atmosphère de carnaval. La patrie nous accueille avec de belles voitures classiques. Maintenant, nous sommes arrivés à la maison. Notre voyage de moto le plus long se termine ici, sans avoir eu un accident, non plus une panne. Nous sommes heureux.